La victoire du sang de l'agneau, la victoire par le sang de l'agneau, c'est une victoire d'abord que nous appelons purification, sanctification. Puisque nous parlons de la victoire, il faut donc s'entendre la guerre. Il y a une guerre, il y a un combat contre le diable. Et une des armes, parce que nous avons le nom de Jésus, on peut aussi parler de la victoire par le nom de Jésus, la victoire par la croix de Jésus, la victoire par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Ce sont autant de victoires, autant de moyens de combat, autant de moyens de victoire. Mais ce soir, nous parlons de la victoire par le sang de l'agneau. Victoire dans notre guerre contre Satan, contre les forces du mal. Alors j'ai dit, premier point, cette victoire se nomme purification, sanctification. Pourquoi nous commençons par la purification et la sanctification? Justement parce que le diable est l'accusateur. De quoi nous accuse-t-il? Lorsque nous lisons la Bible, dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, il est dit que le grand prêtre Josué se tenait devant l'ange de l'Éternel, tandis que Satan était debout à sa droite pour l'accuser. L'ange dit à Satan, que Yahweh te réprime Satan, que Yahweh te réprime, lui qui a fait choix de Jérusalem, que l'Éternel, que le Seigneur te réprime Satan, que le Seigneur te réprime, lui qui a fait choix, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison tiré du feu? Donc dit Josué est un tison, il vient du feu. Et puisqu'il vient du feu, c'est normal qu'il soit sale. Parce qu'on dit ici, « Or Josué était vêtu d'habits sales, et le diable l'accusait. » Voilà le prêtre, Josué, il porte des habits sales. Il ne peut pas se tenir devant toi. Toi, tu es un Dieu juste. Comment acceptes-tu que Josué, le prêtre, portant des vêtements si sales, puisse se tenir en ta présence? Or, Josué était vêtu d'habits sales lorsqu'il se tenait devant l'ange. Prenant la parole, celui-ci parla en ces termes à ceux qui se tenaient devant lui. Enlevez-lui ses habits sales et revêtez-le d'habits somptueux. Et lui dit, vois, j'ai enlevé de dessus toi ton iniquité. Mettez sur sa tête une tiare propre. On mit sur sa tête une tiare propre et on le revêtit d'habits propres. Vous voyez, le diable, son rôle, c'est nous accuser auprès de Dieu que nous portons des habits sales, que nous avons des péchés. Les habits sales, ici, Zacharie 3, 1 à 5 explique que c'est l'iniquité, nos péchés représentent les habits sales que nous portons. Quand nous nous présentons devant Dieu, le diable s'élève en tant que notre accusateur. Il nous accuse auprès de Dieu. Il dit, ces gens qui te prient, ces gens qui t'invoquent, ces gens qui parlent de toi sont des pécheurs. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait ceci. Ils ont tué, ils ont volé, ils ont menti. Dans leur bouche, il n'y a que des calomnies, il n'y a que des médisances. Pourquoi tu les écoutes? Ce sont des mauvais. Ils ne méritent pas ta miséricorde. Les diables nous accusent. Alors nous sommes sales et nous nous rendons compte que nous sommes réellement sales, c'est vrai. Alors maintenant, la victoire du sang de Jésus, c'est quoi? C'est le sang qui doit venir nous purifier, nous laver. Dans les livres de Zacharie, on lui donne de nouveaux habits. On dit, j'ai enlevé de dessus toi ton iniquité. Mettez sur sa tête une tiare propre et on le revêtit d'habits propres. Mais Apocalypse 7, 14 dit quoi? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Donc, mon bien-aimé frère, quand tu te tiens devant Dieu, tu peux prier, tu peux invoquer, tu as des choses que tu as faites pour Dieu. Parce que souvent, quand nous avons des problèmes, nous disons, Seigneur, je n'ai rien fait, je n'ai pas de problème, je n'ai pas volé les biens d'autrui, je n'ai pas pris la femme d'autrui.
C'est inefficace. Ce qui te rend propre, c'est le sang de Jésus. Ne mets pas devant ta justice, ta sainteté, le bien que tu as fait. Mets devant Dieu le sang de Jésus. C'est celui-là qui te rend propre, qui te permet de te tenir en sa présence. Invoque le sang de Jésus. Dis à Dieu, ton fils est mort pour moi sur la croix. Son sang versé me lave de mes péchés, me purifie de mes péchés. Et là, tu seras propre et tu pourras te tenir ainsi devant Dieu. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le diable est un accusateur. Souvenez-vous aussi de l'histoire de Job. Job était un saint homme. Si le prêtre Josué, dans Zacharie 3, est sale, Job lui était propre. Mais le diable se permet de l'accuser auprès de Dieu. Quand Dieu se vante de la vie de Job, il dit, il demande à Satan, « D'où viens-tu ? » Satan dit, « Je faisais un tour sur la terre. » Dieu se vante, il dit, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job ?» Le diable, comme accusateur, doute de la sainteté de Job et dit à Dieu, « Job, s'il est attaché à toi, c'est parce que tu as béni ses entreprises, tu as béni ses troupeaux, c'est pourquoi il t'est fidèle, c'est pourquoi il te reste attaché. Mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède, je te dis qu'il va te maudire en face. » Dieu accepte le challenge. Dieu accepte de relever les défis. Il dit à Satan, « Soit, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir. » Évite seulement de porter la main sur lui. Et Satan sortit de devant l'Éternel. Pour la deuxième fois, Job va rester fidèle d'abord à Dieu. Il ne va pas, malgré la souffrance, il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants, mais il restera toujours fidèle à Dieu. Le diable ne va pas laisser tomber les bras. Il va revenir à la charge et il va dire à Dieu, s'il est attaché, c'est parce que tu as touché seulement ses biens. Tu n'as pas touché à son corps. Touche à sa santé. Il ne persévérera pas. Il va t'abandonner. Et Dieu va dire, va donner encore la permission à Satan de toucher aux os et à la chair de Job. Mais malgré ça, Job va rester fidèle. Vous voyez le rôle de Satan dans notre vie? Il vient toujours pour nous accuser. Que nous ayons des habits sales, il nous accuse. Que nous soyons saints, il trouve toujours à redire, même à notre engagement. Tu pries, le diable va trouver à redire. Il va dire, ah, il prie parce qu'il a des problèmes. Il prie parce qu'il a, il prie parce qu'il a des difficultés avec son mari. Le diable vient toujours pour dévaloriser. Et c'est ainsi que beaucoup de nos frères, nous invoquons le sang de Jésus. Mais nous-mêmes, parfois, nous ressemblons au diable. Parce que nous n'avons pas la capacité. Nous sommes d'abord les accusateurs de nos frères. Dans la vie de nos frères, nous ne voyons que leurs habits sales. Nous faisons comme les diables, accusant Josué, le prêtre. Ce n'est pas Josué le successeur de Moïse ici, c'est un autre Josué. Josué le prêtre. Le diable l'accuse. Il a des vêtements sales. C'est ce que nous faisons dans nos communautés. Nous voyons seulement le mal qu'il y a dans nos frères. Nous ne savons pas voir le bien. Et là, nous jouons le rôle. Nous faisons le jeu du diable. Tu ne peux pas te comporter comme le diable et invoquer contre lui le sang de Jésus. Tu rends inefficace le sang de Jésus. Il faut que toi aussi, dans ta vie, tu t'efforces de ressembler à Dieu, de ne pas avoir les habitudes du diable. Les habitudes du diable sont des habitudes accusatrices. D'abord, il ne voit que le mal dans la vie de Josué. Mais quand il y a le bien dans la vie de Job, il trouve à redire, « Oh Job, s'il est attaché, c'est pour telle et telle autre raison. S'il va à l'église, c'est parce qu'il a des problèmes. Si elle prie, c'est parce qu'elle a des problèmes avec son fiancé. » Nous trouvons toujours à redire. S'il parle ainsi, c'est parce qu'il cherche l'argent. Nous avons à redire, nous critiquons ceux qui sont pécheurs, nous ne voyons que le mal en eux, et puis ensuite, nous accusons, nous voulons trouver des fautes, des petites bêtes dans la vie de ceux qui font des efforts, de ceux qui sont engagés. Nous ressemblons au diable. Mais ici, la victoire par le sang de Jésus, Dieu sachant que le diable est un accusateur, mais que le propos du diable est quand même vrai.
Parce que le diable, tout en étant accusateur, dit quand même la vérité, que nous sommes des pécheurs. Alors Dieu, pour couper court aux accusations du diable, nous lave par le sang de l'agneau. Tu n'as pas de sainteté, bien-aimé, à faire prévaloir devant le Seigneur. Tout ce que tu peux faire, c'est invoquer le sang de l'agneau. Seigneur, je suis un pécheur, mais Jésus n'est pas mort en vain. Que le sang de Jésus, que le sang de l'agneau me purifie, pour que le diable, l'accusateur, ne trouve rien à redire. Certains pourraient dire, mais ça ne sert à rien, même si le diable m'accuse. Non, quand le diable vous accuse, même vous, il accuse même votre propre conscience. Il entre dans votre propre conscience. Que quand vous priez, vous sentez vous-même que vous n'êtes pas en état de prier, en état de grâce. Vous commencez à vous décourager. Vous perdez la confiance en votre filiation divine. Vous perdez la confiance. Vous n'avez plus la confiance des enfants de Dieu. Et là, votre prière devient inefficace. Parce que le diable va mettre devant de vous vos péchés. Vous avez mal agi. Vous avez mal vécu. Alors, quand tu te souviens de tes péchés, même ta prière perd de sa détermination, de sa force, de sa puissance, de son ardeur. Alors il faut le sang de Jésus pour qu'il te donne la bonne conscience, qu'il te donne la confiance en Dieu et la confiance en toi. Jésus est mort pour toi, son sang a été versé pour toi, alors tu peux te tenir en présence de Dieu en toute confiance. Parce que Jésus a payé le prix, Jésus t'a lavé de tes péchés. Quand tu te tiens devant Dieu, tu n'as plus les péchés que tu avais, parce que le sang de Jésus te purifie de tout péché. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce piège. Ils ne comprennent pas les manœuvres de Satan. Bien-aimé, tu es du renouveau, tu es chrétien. Quand tu pries et que Satan te rappelle tes péchés, dis-lui, tu as été vaincu par le sang de l'agneau. Pas souvent, quand le diable nous rappelle nos péchés, nous ne prions plus bien, nous perdons notre ardeur, nous nous décourageons et nous commençons à faire des prières sans conviction, des prières vaille que vaille. Ne tombons pas dans son piège. Quand il te rappelle tes péchés, rappelle-lui la croix. Rappelle-lui le sang de Jésus qui a coulé pour toi à Golgotha. Dis-lui, je suis un pécheur, c'est vrai, mais Jésus est mort pour moi sur la croix.